Intérieur, tout est calme et paisible. Tout est con-con-tan-tan. Rouang-rouang-rou-rou. Un grand espace vide ouvert à l'infini. L'infini ne peut pas être mesuré par nos sensations physiques. L'infini, c'est juste l'espace ouvert dont on ne perçoit pas de limite. Il est juste ouvert. Et on n'a pas besoin de le mesurer. Prenez conscience à l'intérieur de votre tête, le tantien supérieur. Observez à l'intérieur de la tête dit Chenji silencieusement. Détendez-vous de plus en plus et laissez votre intention de dire Shenji devenir très douce, très tendre et simple. Comme si vous alliez vous endormir. Et observez ce qui change à l'intérieur. N'observez que ce qui change, laissez tout le reste. Le tantien supérieur devient de plus en plus pur et c'est tout le corps de chi qui devient de plus en plus pur.
Observez tout le corps de Chi en disant Shanji. Détendez-vous de plus en plus avec un léger sourire. Laissez-vous aller à profiter de ce moment. Ne cherchez pas à faire quelque chose de ce moment ou à en obtenir quelque chose. Ne cherchez pas à faire rentrer ce moment dans l'idée de ce qu'il devrait être, mais juste laissez-vous aller et observez l'effet de Shen Qi sur le corps de Qi. Et ouvrez-vous complètement, soyez curieux de ce qui se passe. Observez le Tantien inférieur. N'utilisez pas les yeux pour observer le Tantien. Utilisez directement la conscience qui observe de l'intérieur. Tout le corps de Qi est uni, ce n'est qu'un seul espace, pur et transparent. Lumineux et vide, présent. Et maintenant, vivez l'espace entre deux Shanji. L'espace ouvert et disponible, de quiétude et de sérénité douce. D'abandon profond, où il n'y a rien à obtenir ni rien à perdre. Rien à chercher, ni rien à trouver. Un espace de quiétude et d'harmonie.
depuis cet espace, tendrement, des shenji, vous relancez des shenji périodiquement et vous observez le changement que cela produit. Et tout ça est très doux, très tendre. Nous sommes celui qui envoie le Shenji. Et nous sommes celui qui recevons le Shenji. Nous sommes celui qui observe que l'on envoie le Shenji. Et celui qui observe les effets du Shenji. Et nous sommes l'espace dans lequel le Shenji se transforme. Détendez, assouplissez. Observez le Tantien inférieur en disant Shenji. Shenji signifie pure conscience suprême. C'est-à-dire tout le champ de pure conscience, nous l'appelons en disant Shenji. Et nous transformons tout notre être pour l'harmoniser avec le pur champ de conscience mondiale, universel. Depuis l'intérieur du Tantien inférieur, tout est calme et se détend de plus en plus profondément.
et vivez l'espace entre les shenji. Ne soyez pas que l'acteur, soyez aussi celui qui reçoit. Shenji peut être dit de plus en plus profondément et peut devenir simplement le mouvement des pensées. Maintenant, ouvrez dans l'univers. Et dites à voix basse ou pensez, chut. Et laissez votre intention être très douce. Puis très profondément à l'intérieur, tout devient chu, tout devient vide, vaste, pur et transparent. Sans forme.
Observez le temps de tienne supérieur et pensez ou dites silencieusement chut en l'observant. Et soyez curieux de votre expérience. Soyez curieux de ce qui se passe. Le cerveau, palais de Shunji, tout le Tantien supérieur. Les yeux. Le nez, et laissez votre attention devenir de plus en plus détendue, de plus en plus fine. Et chut devient un mouvement de la pensée qui transforme le corps de chi, le nez. Les oreilles. La bouche, deux systèmes de perception sont présents en même temps. Deux manières de vivre sont présentes en même temps. Il y a les sensations qui viennent du corps, quand je dis la bouche, que vous dites chut à la bouche, vous pouvez ressentir les sensations qui proviennent du corps physique. Et en même temps, il y a les sensations du chi et de l'espace qui, elles, proviennent de la conscience qui ressent. Faites la différence entre ces deux perceptions. Le cou et la gorge. Les épaules, les omoplates, les épaules et les omoplates à l'intérieur, jusque dans les bras. La conscience est si pure qu'elle peut pénétrer très facilement, jusque dans les moelles.
que dans chaque système des épaules et des bras, les os, les vaisseaux sanguins, les nerfs, les muscles, tout ça apparaît spontanément si la conscience écoute cette information. De sorte que notre personnalité n'a pas à faire d'effort pour réfléchir à comment faire, mais que notre conscience directement reflète, apparaît dans notre conscience directement le Tantien médian. Le cœur. Les poumons. Les reins, doucement, ressentez les mains et les bras et prenez une balle de chi devant le tantien inférieur. La balle de chi, le corps de chi, le champ de conscience et d'amour s'harmonisent ensemble. La conscience s'harmonise ensemble. Puis l'intérieur du Tantien inférieur, le Yin délicatement se ferme vers le haut. Et laissez le champ de conscience doucement ouvrir et fermer. S'ouvre dans l'espace ouvert, à l'infini. Se referme dans l'espace ouvert du Tantien. Quand vous ouvrez, souriez légèrement
à l'intérieur ou sur le visage. Tout le corps de Chi s'ouvre et se ferme. Et à chaque fois que vous ouvrez, vous pouvez dire à voix basse ou penser chut. Tout devient de plus en plus pur et uni. Transparent et lumineux. Présent. Vide. À l'ouverture, souriez légèrement.
Tout devient de plus en plus pur, de mieux en mieux organisé et ouvert, de plus en plus sain, jusque dans l'univers. La peau se change en chi, les muscles, les tendons, les ligaments fusionnent dans le champ de chi, de conscience et d'amour. Les nerfs fusionnent, le système sanguin, jusque dans ses plus petites ramifications. Jusque dans chaque cellule qu'il nourrit, fusionne avec l'univers, se change en chi transparent, lumineux, vide, pur. Les os et les articulations vide, s'harmonise dans le champ de chi, de conscience et d'amour. Les moelles jusqu'au cœur des moelles, les moelles des bras et des jambes, de la colonne, de la cage thoracique, toutes les moelles jusqu'au cœur des moelles, vide, sous, fusionne avec l'univers. Quand je dis les moelles, le mot est une réalité. Il connecte directement à la réalité de ce que sont les moelles au niveau physique, au niveau du chi et de la conscience. Et tout ça s'harmonise ensemble en un instant dans le mot. Juste le mot contient tout ça. Et en le disant, nous connectons immédiatement à l'ensemble de ces informations. Alors le chi de l'univers pénètre puisque c'est connecté. Nourrit et transforme, change. Et tout va beaucoup mieux maintenant. Le sang est très très bon. Au niveau physique, il contient les meilleures substances. Au niveau du chi, il est très pur et harmonieux, uni avec le chi de toutes les cellules. Quand je dis les cellules, la tête ne peut pas les compter.
On ne peut pas les dénombrer intellectuellement. Mais l'information des cellules est présente dans le mot cellule. Lorsque je dis le mot, c'est toutes les cellules qui sont parcourues de la vibration du mot, qui résonnent avec le mot. Parce que le mot contient l'information de ce qu'est une cellule et connecte naturellement avec toutes les cellules du corps, jusqu'aux plus petites cellules. Toutes ces jolies petites cellules avec leurs membranes, toute leur vie intérieure, la mitochondrie, le noyau, l'ADN, toute la vie intérieure de cette petite cellule. Naturellement, nous connectons avec l'information des cellules, le chi des cellules et toutes les cellules physiques, jusque dans l'ADN, le noyau, qui se déploie, fusionne dans l'univers. Et c'est un soin complet par la racine. Depuis l'ADN, l'information originelle de notre être, jusqu'à l'univers, l'information originelle de la vie. Ce mélange se transforme en roi. Change et se transforme à des niveaux très purs. Dans le cerveau, tout est très pur. Toutes les cellules neuronales les neurones le mot neurone contient toute l'information de tous les neurones du corps. Tous les neurones c'est très très bien. Notre conscience est très pure. Tous les neurones, de plus en plus profondément, s'harmonisent et reflètent tout l'univers, contiennent tout l'univers. Poumons et le cœur les atomes toute l'information des atomes résonne instantanément. Les atomes
change. Tout devient si léger et si pur, si fin. Soulevez la balle de chi devant la poitrine, en tien médian. Fusionne avec tout le tantien. Et laissez le mouvement se faire, d'ouverture et de fermeture. Laissez le corps de chi s'ouvrir. Et l'univers, l'espace revenir très profondément. Unir. Avec un léger sourire à chaque ouverture, vous laissez faire mais vous restez présent. Vous observez, écoutez, détendez, et tout se transforme. Soulevez la balle de chi devant un triangle tantien supérieur. Ouvrez et fermez doucement. Détendez, relâchez, gardez la balle de chi devant le tantien et appelez doucement Shenji. Observez le palais de Shenji qui s'intensifie. Ne le cherchez pas, laissez-le venir.
Quand il a assez de chi, il est visible. Quand la conscience est assez pure, elle le perçoit. Continuez à votre rythme. Tout le tantien supérieur s'illumine, transparent. Descendez la balle de chi. Observez de l'intérieur. Tout change au passage de la balle de chi. C'est subtil, c'est rapide, mais ça change. Les poumons et le cœur, le foie, la vésicule biliaire. Tournez vos paumes de main devant le haut du tantien inférieur. Palais de Runyan. Paume de main se tourne vers l'intérieur. Connecte avec le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, la rate, l'estomac, les reins. Le chi du cœur et des poumons descendent. Rapprochez les mains vers l'intérieur. C'est fermé. Les mains se rapprochent et pénètrent de plus en plus profondément à l'intérieur. Puis forment une balle de chi. La balle de chi descend, traverse les intestins, la vessie, le système reproducteur, les hanches, le sacro-iliaque, le bassin, le coccyx, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds, jusque dans l'espace. Imaginez que la balle de chi tombe dans l'espace. Tout est vide et la balle tombe. 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 Dans les profondeurs de l'espace. Doucement, remontez la balle de chi à travers l'univers des jambes. Ah, je n'ai pas regardé l'heure. S'il y en a qui m'attendaient, il est un petit peu après 8 heures. C'est une très bonne journée, tandis que la balle de chi s'élève au travers de l'abdomen. Tantien médian supérieur.
dans le ciel est absorbé par le ciel, comme un ballon qui s'élève et n'en finit pas de monter. La balle s'élève dans la galaxie et n'en finit pas de monter. Monte, 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 monte. De l'intérieur étiré doucement, depuis le bout des doigts, depuis le sommet de la tête, étirez-vous doucement vers le haut. Et la balle de chi redescend, déversez le chi. Pénètre la porte du ciel, le temps de Tien supérieur, pur, le cou et la gorge, pur. Le temps de Tien médian, pur et abondant, ouvert, les poumons, le cœur, la vésicule biliaire, le foie, le pancréas, l'estomac, la rate, si bon, les reins, les intestins, la vessie, le système reproducteur, les sacroiliaques, le bassin et le coccyx, les hanches. Les cuisses, les mollets, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds, jusque dans l'espace. Soulevez le chi doucement. Déposez les mains. Reposez les mains confortablement. Observez tout le corps de Chi. Et observez que vous observez le corps de Chi. Ce n'est pas un effort à faire, c'est juste prendre conscience que l'on observe. Le fait que l'on observe fait partie de l'expérience de ce moment. Fait partie de ce que l'on vit. On observe et on le sait. Nous ne sommes pas séparés de ce que nous observons. Et nous ne sommes pas séparés de celui qui observe. C'est nous et nous observons. C'est l'état de Ming Jue. Avoir conscience que l'on observe. Et c'est l'état d'éveil de la conscience. La conscience est en éveil à partir du moment où nous prenons conscience que nous observons
Alors nous ne sommes pas juste tournés ce vers quoi nous observons. Ce n'est pas juste que nous observons autre chose autour de nous. Et maintenant, nous avons conscience que nous observons donc. Nous sommes plus complets. Nous voyons plus complètement ce qui se passe dans ce moment. Nous disons donc que la conscience est en éveil. Dites Shunji silencieusement. Et détendez-vous profondément, détendez votre intention. Conscience devient de plus en plus concentrée et pure. Et vivez entre deux Shunji. Laissez-vous complètement aller entre deux Shunji, de sorte que vous ne planifiez pas le prochain Shunji, juste que vous vous laissez aller. Puis le Shunji revient. Observez le temps de tien inférieur en disant Shunji. Tout est tellement transparent et vide.
peut ne pas être facile de trouver le tantien inférieur. Chaque Chenji apparaît dans le Tantien inférieur comme dans tout l'espace. Arrêtez de dire Shenji. Tout le corps de Chi très pur et uni, harmonieux, tout l'espace est uni. Prenez conscience de la respiration. Depuis le centre de notre être, se déploie, se détend à chaque expire avec un léger sourire. Et chaque inspire revient au centre de notre être. Abandonné. Maintenant, simplement rester présent avec le souffle de l'univers
et laisser faire les choses. Chaque expire, tout s'ouvre et se relâche avec un léger sourire. Chaque inspire, tout revient à l'intérieur. Et nous restons présents, stables et centrés. Pour accueillir tout ce qui remonte de notre inconscient, toutes les informations, les émotions qui passent au travers de notre conscience pour se libérer, se purifier. Et nous restons présents, souriants. Dans l'accueil, pas dans le combat.
Notre intention se détend de plus en plus. C'est le chi originel qui nous berce et nous transforme. Si vous ouvrez chaque cellule, alors chaque cellule se transforme. Chaque neurone se transforme. Les moelles se transforment. Tout notre être se transforme. Blocage très profond se transforme.
l'expire, tout s'ouvre et se relâche. Tous les blocages, toutes les tensions, toutes les émotions, ce sont des informations du passé que nous avons gardées à l'intérieur. Et qui résiste, nous résistons pour ne pas qu'elles remontent. Le chi aimerait les emporter, les transformer. Toutes ces informations, toutes ces émotions, le chi aimerait les balayer, qu'elles redeviennent pures chi. Mais nous résistons pour les garder inconscientes, pour ne pas les revivre. Pour ne pas qu'elles apparaissent dans notre conscience. Cette résistance crée la douleur, la tension et le mal-être. Pour être en sécurité, nous nous faisons souffrir. Mais nous ne pouvons pas volontairement arrêter ces résistances. En tout cas, il est peu facile de volontairement le faire. Alors que la souffrance, le mal-être ou la tension, elles sont une porte qui nous permettent d'accéder à ce qui est fermé à l'intérieur de nous. En restant présent, au bout d'un moment, nous arrêtons de résister et le chi peut emporter les informations, les émotions qui sont restées à l'intérieur, les transformer et nous sommes libérés, corps et biens, de ce qui s'est passé. Notre santé devient bien meilleure au niveau mental, émotionnel et physique. C'est un soin par la racine. Et la voie d'accès, c'est l'état d'unité et d'harmonie, l'abandon à tout ce qui se présente avec un léger sourire. Rien de tout ça ne vient de l'extérieur. C'est nous qui résistons de l'intérieur. Ce n'est pas le monde qui fait ça. C'est nous personnellement. Pour notre survie, pour notre protection. Nous retenons captifs ces informations et émotions et résistons à leur libération. Alors que nous souhaitons en être libérés de tout cœur, de tout esprit, toute notre âme souhaite être libérée. Alors il faut rester présent et accepter qu'une partie de nous, elle, souhaite résister. Et que c'est comme ça. On ne peut pas forcer, on ne peut pas crier, on ne peut pas manœuvrer, on ne peut pas monnayer, subjuguer, on ne peut rien faire à part être présent. Avec un léger sourire et la respiration universelle, et nous ouvrir à plus grand que nous, ne pas rester dans les problèmes partiels, pour embrasser l'unité et laisser les choses se faire.
Et on peut de plus en plus observer. Qui vit l'inconfort, les tensions? Quel masque avons-nous? Quelle attitude avons-nous? Pas pour l'analyser, mais pour la vivre pleinement. Qui sommes-nous quand nous vivons ça? Mais restez présent, gardez l'expire pour vous détendre et vous ouvrir et sourire légèrement, pour ne pas vous fixer. Doucement, ouvrez dans l'univers, tout s'ouvre dans un sourire, ouvrez les mains et les bras. Sous
avec tout le champ de chi, de conscience et d'amour, tous ceux que nous aimons, tous ceux qui nous aiment. La conscience revient à l'intérieur, ramener tout le chi et toutes les informations à l'intérieur. Superposer les paumes sur le nombril. Laissez s'infuser à l'intérieur de vous toutes les bonnes informations, tout le pur chi, tout se décante à l'intérieur. Séparez les mains et doucement depuis l'intérieur, tournez les épaules et profondément relâchez. Le corps de chi et la conscience s'harmonisent. Toutes les tensions se relâchent et s'ouvrent. Ok, bougez librement depuis l'intérieur pour vous sentir bien. Notre chi est très abondant et circule très bien. Très transformateur, pur, clair et uni. Le corps, le chi et la conscience sont un. Massez le visage. Sentez le visage souple, souriant, plein de chi, plus beau. Détendez toutes les parties du visage. La tête,
Après des profondes méditations comme ça, le massage est très utile pour permettre de relâcher là où nos résistances inconscientes ont amené des tensions inutiles. Où le chi et le sang circulent un peu moins bien, le massage fait du bien et naturellement amène de l'amour, amène de la tendresse et de la douceur. Ça fait du bien. Ça amène de la chaleur humaine. Vous pouvez masser les parties qui ont le plus travaillé selon là où c'est pour vous. Vous avez pu le remarquer, lorsque l'on ne fait rien et qu'on reste simplement présent, certaines résistances vont amener des niveaux de tension, émotionnels, physiques ou mentales. Et on ne peut pas les empêcher. Normalement, ce que l'on fait, c'est qu'on les retourne. On les retourne à l'intérieur, ou alors on les recouvre en faisant autre chose, en pensant autre chose, en faisant autre chose. On se distrait pour oublier que c'est là et on a l'impression que ce n'est plus là au bout d'un moment. Parce qu'on a créé une réaction en chaîne qui fait qu'on ne le perçoit plus. Mais c'est toujours là. Lorsqu'on reste présent, l'intensité de la résistance fait augmenter. Augmente l'intensité jusqu'à temps qu'on arrive à un moment donné où l'intensité physique, émotionnelle ou mentale devient telle que on ne sait plus quoi faire. Et c'est exactement le moment où on peut abandonner. Quand on ne sait plus quoi faire, si on vit, le fait de ne plus savoir quoi faire, on ne sait pas quoi faire et on continue à expirer, se détendre, sourire, ouvrir. Tout le long, on fait toujours ça. On expire, on sourit, on se détend. On inspire, tout revient. Mais certaines résistances font monter la tension. Et au bout d'un moment, si on ne sait plus quoi faire, si on ne sait pas comment gérer le moment, eh bien c'est exactement là où on peut abandonner. On ne sait pas quoi faire. Et c'est vrai. Et de vivre le fait qu'on ne sait pas quoi faire à ce moment-là, de vivre le fait que de toute façon, on ne sait vraiment pas quoi faire, que c'est comme ça. C'est la solution. En vivant qu'on ne sait pas quoi faire, à un moment donné, on va lâcher la résistance inconsciente. À un moment donné, il va devenir clair, à un niveau plus profond, qu'il faut arrêter de résister. Et à ce moment-là, on lâchera spontanément la résistance. Alors toute l'intensité s'arrêtera. S'arrêtera immédiatement puisqu'on arrêtera de résister. Et l'intensité n'existe que parce qu'on empêche l'information et le chi de remonter dans la conscience.
Et si on ne résiste plus, ça s'arrête. Et un blocage vient de s'ouvrir, inconscient. On vient de nettoyer notre inconscient, notre subconscient, peu importe. Mais des fois, ça s'ouvre facilement. Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. On s'ouvre, on se détend, tout s'ouvre. C'est très bien. Et il y en a d'autres fois où la résistance s'amplifie. Si la résistance s'amplifie et qu'elle devient suffisamment présente pour qu'on ne sache plus quoi faire, à ce moment-là, il faut vivre le fait de ne pas savoir quoi faire. C'est la solution. On ne sait pas quoi faire, c'est vrai, et on le vit. On reste avec nous, on est présent avec nous, on ne s'enfuit pas. On reste présent, on est là, on n'est pas tout seul. On est là. Et l'expire s'ouvre, un léger sourire, de l'ouverture. Et même si on n'a pas envie de sourire, souriez légèrement. Ramenez de la détente. Reprenez le contrôle de la situation par la détente et le sourire. Qu'un petit peu de joie, qu'un petit peu de détente reste présent malgré l'intensité. On n'est pas nos blocages inconscients. Ils existent à l'intérieur de nous. Ils n'ont pas à résumer toute l'activité de notre conscience. Nous n'avons pas à nous focaliser entièrement sur le fait d'être une résistance inconsciente. Nous n'avons pas à faire ça. La personne qui a fait ça, elle avait 7 ans, elle avait 6 ans, elle avait 15 ans, elle avait 20 ans, elle avait 30 ans. Elle est passée. Nous, nous expirons, nous détendons et ouvrons avec un léger sourire. Ça, c'est la personne qui est présente. Et c'est le seul effort que nous faisons. Nous faisons l'effort de rester présent. Donc, l'abandon implique une part d'effort. Mais cet effort, c'est uniquement de rester présent. Abandonner implique le fait de se détendre. C'est une manière de dire détendez-vous totalement, abandonnez-vous. Cessez de lutter. Mais rester présent n'est pas une lutte. Être présent, c'est ce qu'on est. Mais il nous faut faire un effort à ce moment-là parce que nous fixons dans la résistance inconsciente et l'inconfort qu'elle crée, et l'intensité qu'elle crée. Alors, il y a une part d'effort qui doit apparaître. C'est l'effort de rester présent. Ça peut sembler paradoxal, pourtant c'est très réel. Si nous ne faisons pas l'effort de rester présent, nous perdons notre présence. Nous perdons conscience. Nous avons de nouveau 15 ans, 7 ans, 30 ans, et nous nous débattons avec quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans ce moment, qui est complètement passé. Nous sommes complètement en train de nous illusionner sur ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous ne sommes plus du tout présents au moment. Et nous renforçons le blocage inconscient. Nous donnons raison au fait que, ah oui, il ne faut pas que ça remonte. Mais si nous nous efforçons à rester présents avec un léger sourire, l'expire ouvre,
Relâche. S'ouvre. C'est la respiration de l'univers qui réinspire. Tout le corps de chi réinspire. Et expire, s'ouvre, relâche avec un léger sourire. Nous redevenons présents à la réalité et l'intensité apparaît dans cette réalité, dans ce moment présent. C'est vrai, l'intensité est là, nous ne la nions pas. Mais ce n'est pas la totalité de ce que nous sommes. Nous sommes présents et il se passe ça. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas être définis par ça. C'est juste quelque chose qui se passe en nous. Ce n'est pas ce que on est. Alors on reste présent. Et au bout d'un moment, si l'intensité augmente, on ne sait plus quoi faire. Et on reste présent au fait de ne plus savoir quoi faire. Il n'y a pas besoin de se le dire qu'on ne sait plus quoi faire. On le vit. On ne sait plus quoi faire. Et au bout d'un moment, on va ouvrir plus profondément, spontanément, la résistance qu'on a mise. On va retrouver d'un coup ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire, c'est arrêter cette résistance. Parce qu'on va être obligé. Le moment va devenir trop harassant. Le moment va nous terrasser. Et à ce moment-là, hop, on va récupérer la résistance inconsciente. On va l'enlever. Tout va disparaître. On ne résiste plus, le chi passe, l'information sort, se transforme. Et on reste présent. Tout peut se finir, ou alors une autre intensité peut apparaître. La méditation continue. Nous, on reste présent. Et on nettoie son inconscient à chaque fois qu'on fait ça. Alors, ce n'est pas toujours aussi dramatique, heureusement. Heureusement, l'intensité n'est pas toujours à un point dramatique où on ne sait plus quoi faire. C'est que les blocages les plus forts qui réagissent comme ça. Il y a plein de petits blocages qui simplement s'ouvrent spontanément dans l'univers, se relâchent, la conscience revient profondément. Plein de choses s'ouvrent très facilement. Mais là, je parle pour les moments où, eh bien justement, on ne sait pas quoi faire. J'ai envie de partager avec vous justement comment pouvoir gérer ces moments-là en restant présent. Et à chaque fois, on se libère. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à tous ceux qui, depuis l'aube des temps, nous permettent d'avoir ces enseignements et l'expérience de la pure conscience. Merci. 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 Merci à tout le champ de chi, tout le champ de conscience et d'amour qui nous soutient si bien. Au professeur Wei, ses messages, à chacun d'entre nous qui vient chaque matin. Et pour une grande part d'entre vous, vous ratez aucun matin. Ça a de la valeur. C'est un choix par rapport à sa vie. Par rapport à son destin. Merci à tous. Merci.
merci. À tous ceux qui, dans notre vie, font qu'on est ici maintenant. Merci. 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 Et à tous ceux qui viennent après nous, pour qui nous gardons la pure conscience et l'enseignement vivant. Tous ceux qui fonderont la grande société humaine harmonieuse, aimante, unie. Merci. 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 Pour tous les êtres dans tous les espaces et tous les temps, pour l'univers, la terre et les animaux, la nature qui nous nourrit, qui nous anime, qui nous rend vivants. Merci. 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 Que tous les êtres aient autant de bienfaits que nous, dans tous les espaces et tous les temps. Que tous soient Raoul, Ronnie Linton. Merci. Voilà, vous pouvez bouger doucement. Je ne sais pas à quelle heure il est probablement tard. Je suis désolé. J'ai fait une version longue aujourd'hui.